reborn. Wow. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soupon. Bon début de semaine et que la paix du Seigneur soit avec vous. La semaine dernière, j'ai entendu une femme témoigner de ce qu'elle a vu. Je dis bien de ce qu'elle a vu. Elle dit qu'elle a la vidéo, en fait, une vidéo d'une femme qu'elle a vue. Et les gens étaient en train d'enlever des crapauds de la partie intime de cette femme. Et elle nous parle pour nous dire que vraiment se balader de garçon en garçon, vraiment, c'est pas bon. Parfois, nous pouvons tomber sur de mauvaises personnes. Elle voulait nous montrer la vidéo, mais comme vous savez ici, on ne peut pas montrer les choses pareilles. Donc, elle a dû garder cela pour elle et elle nous a raconté seulement cette histoire. Et moi, je viens vers vous, mes frères et sœurs, pour vous poser cette question-là. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire ou est-ce que vous avez la vidéo? Réagissez en commentaire et dites-moi si vous avez vraiment la vidéo. Moi, j'aimerais voir, sinon je vais me mettre à chercher pour avoir, aller voir la certification de cela avant de trouver un moyen de vous montrer ça. Peut-être sur... Bon, on va voir, mais on va trouver un moyen. Comme on dit chez nous, d'abord, il faut croire sans avoir vu. Mais, mes enfants, dites-moi, est-ce que c'est possible? Est-ce que ces genre de choses peuvent être possibles? Faire sortir des crapauds du sexe d'une femme. Seigneur Jésus, ce monde est terrible. Hein? Ce monde est vraiment terrible. Comme vous le savez déjà, Nyon Soubon est ici pour vous parler des choses hors du commun, des choses mystérieuses comme ça, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une chaîne extraordinaire, une chaîne hors du commun. Et moi, quand j'ai entendu ça, vraiment, j'ai eu un peu peur. J'ai un peu la touille. Parce que, tiens, moi, je ne suis pas encore marié. On ne sait jamais. Imaginez-vous même, vous tombez sur un cas pareil. Quelle serait votre réaction? Est-ce que l'amour va prendre le dessus ou bien vous allez fuir? Est-ce que vous allez fuir? Parce que moi, je ne comprends pas. Il y a toutes sortes de maladies aujourd'hui. Les maladies sexuellement transmissibles. Il y a toutes sortes de choses. Souvent, quand on demande aux gens de se protéger, hein, ils disent, oh, vous là, arrêtez de nous emmerder ici. Est-ce que vous pouvez manger une banane avec sa peau? C'est comme ça que les gens nous parlent. Mais quand le problème arrive là, et qu'ils commencent à maigrir, parce qu'ils ont le sida ou bien une maladie bizarre, ces gens-là sont devenus maintenant des conseillers. Ce sont eux maintenant qui veulent nous conseiller, nous voulons nous conseiller. Mais moi, j'ai regardé la vie de débauche, cette vie où on couche avec n'importe qui, où on couche avec tout le monde. Et j'ai dit vraiment, c'est pas une bonne vie. Et c'est juste éphémère. C'est éphémère. C'est un plaisir qui passe vite, c'est un plaisir passager, c'est un plaisir vraiment. Quand j'en parle même, j'ai mal. Parce que nous tous, on était dans ce genre de choses. Dans la masturbation, dans quoi même, dans vraiment, dans des choses. Aujourd'hui là, on n'a plus besoin de demander le nom de quelqu'un pour pouvoir accoucher la personne. Aujourd'hui, les gens se fondent à cause de la pauvreté. Surtout à cause de la pauvreté, c'est rare de voir une femme qui allait se gainer, en fait, qui allait se prostituer, quoi, juste parce qu'elle-même, elle a envie de le faire. Hein. C'est vraiment très rare de nos jours, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. À cause de la pauvreté, il y a beaucoup de choses vraiment bizarres qui se passent. Trop de choses bizarres, je vous assure. C'est-à-dire la pauvreté amène les gens à faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Quand on est normal, ces gens ne sont pas censés faire. C'est pourquoi vraiment il faut prier beaucoup pour que la pauvreté
puisse quitter la Terre, quoi, puisse disparaître de la Terre. C'est-à-dire que les humains doivent vraiment beaucoup réfléchir sur comment faire aussi pour éradiquer la pauvreté. Il y a tant de choses comme ça dont j'ai envie de vous parler. Même j'ai une vidéo où j'entends une fille qui dit qu'elle a failli être enlevée. Si tu le veux, hein, dans la partie, dans la vidéo précédente, dans la vidéo suivante, c'est-à-dire après cette vidéo, la vidéo qui va venir, je vais vous faire écouter ce qu'elle disait, comment elle a failli se faire enlever par des gens. Elle nous a dit que les enlèvements, ce sont réels. Les gens n'y croient pas trop, mais ce sont des choses réelles. Vous allez l'entendre. Mais pour l'instant, j'aimerais vous parler de ça et vous dire, mes frères et sœurs, vraiment, priez beaucoup que Dieu trouve un moyen de délivrer les prostituées, les prostituées. Et comment on prononce ça? On dit prostituée, tuer quelqu'un, tuer. Bon, priez pour que Dieu vraiment puisse venir en aide aux personnes comme les prostituées. Vous voyez, souvent, la réalité de la vie nous amène à faire des trucs. Mais priez quand même. Ça veut dire qu'allez là. Allez si. On ne prend pas son bâton pour mettre ça dans n'importe qui. Parce que tu ne sais pas ce que tu vas ramasser là-bas. Hein? Allez si. Le mouvement est saturé, c'est dingue. Qui comprend ça même? Est-ce que vous comprenez ça? Ah. C'est gâté. C'est gâté. C'est vivre. Dans la pureté. Là, c'est là quand j'écoute, j'entends ça, je me dis, mais waouh, vraiment Dieu voulait notre bien quand il nous demandait de fuir la vie de débauche. Quand il nous dit, par exemple, avant d'épouser une fille, il faut connaître ses parents, demander sa mère, suivre la procédure, tout simplement. Je pense que ça, c'était un bon conseil. C'est aussi pour nous éviter tous ces problèmes qui sont derrière. Parce que dans la vie de débauche, il y a beaucoup de problèmes. Malheureusement, il y a des gens qui vous disent au contraire à la télévision. Vous voyez les stars de la musique qui chantent, qui encouragent les gens à avoir plusieurs copines, plusieurs goûts. Même le petit, il a 17 ans, il a déjà enceinte une go là-bas. Il a déjà enceinte une go sur le côté, sur le côté, sur le côté. Tchè! Quel chat! Tu as 17 ans! Et tu as déjà enceinte une go. Vous voyez que ça devient bizarre. Est-ce que c'est de sa faute? La séduction. Aujourd'hui, toutes les filles d'hier sont sexy. Même moi-même, j'ai du mal à résister à la tentation. Mais Dieu est fort. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Priez pour moi, les gars. Priez pour moi. Priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Allez, oui, cela me tient la dalle. Nous sommes ici pour se dire la vérité, non? Ouais? Hier, il n'est pas bien mouillé, mais je n'ai pas bien mouillé. J'ai juste 3 biscuits, même. Mais je dois quand même vous parler. Je travaille seulement. Vraiment. Mais ça va aller. Souvent, faut pas. Ce n'est pas toujours que tu dois manger, non. Mais souvent aussi, il faut manger peu. Pour que l'esprit soit. L'esprit et le corps, l'âme soit équilibré. Vraiment, équilibré. Mais priez pour moi. Vous voyez? Voilà. Donc, vraiment, priez pour moi. C'est des choses, vraiment, ce sont des choses qui nous fatiguent. Tu passes par ici, voici une fille sexy. Tu passes à gauche, voici une fille sexy. Tu passes à... Oh, sexy! Eh, sexy! Oh, tchè! On ne sait même plus où regarder. Hier, par exemple, j'ai créé un nouveau compte TikTok qui s'appelle Nyan's Reborn. C'est-à-dire le tout collé. Actuellement, il a juste posté une vidéo là-bas seulement. Je suis allé là-bas et je disais, bon, attendez, j'ai posté une vidéo. Attendez, il est allé là-bas d'accueil pour voir ce qui se passe. Il va sur la première page. Voici une fille qui vient me montrer ses seins. Voici sur la deuxième page. Voici une fille qui vient me montrer ses fesses. Voici sur la troisième page. Tout le monde est nu là-bas. Il dit, tiens, quel chat. Ici, vous êtes de quel genre de société? C'est la société de la nudité urbaine. Les gens nous montrent tout et tout et tout et tout. Et tout. Il dit, mais Joe, mais si quelqu'un veut résister à la tentation, qu'il ne vienne pas ici, hein? Que le pays vous voit ici là-dedans. Sinon, ça va être chaud pour lui. Hein? Ça, je vous assure. Aujourd'hui, hein, il y a certaines choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Et quand les gens voient ça, ils pensent que c'est normal. Ils sont dans ça. Et voici des choses qui peuvent arriver. Les satanistes se baladent aussi pour chercher les filles, pour transmettre leur vénin mortel de la vie des jolies filles qui sont déjà. Quand on les voit, on dit Jackie, les sorciers sont déjà passés le peur. Quel chat, les sorciers! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous ne voyez pas, vous là? Vous là? Je vous parle de quelque chose. La vie, le monde est miné aujourd'hui. Vraiment, faites attention. C'est la première vidéo de Union Seconde cette semaine. Vraiment, j'ai entendu ça, j'aimerais partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà les informations et que vous-même vous avez vu la vidéo, expliquez-moi tout bien dans la partie commentaire. Il y a fait une autre vidéo, sans doute pour réagir avec vous encore, frères et sœurs. Mais avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous dire que nous avons désormais notre chaîne secondaire qui va recevoir de nouvelles vidéos. Vous voyez, ça s'appelle Nyance Répond 3. Quand vous cliquez sur Nyance Répond, en dessous de cette vidéo, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir, vous allez défiler juste un peu en dessous de nos vidéos populaires. Là-bas se trouve cette chaîne, Nyance Répond 3. Ou bien vous écrivez sur YouTube, Nyance Répond 3. Vous allez voir la chaîne. J'ai fait un live hier avec les abonnés, on a causé un peu. Voilà, c'était un live comme ça pour juste vous saluer, vous informer que je vais commencer à travailler sur Nyan Seconde 3. C'est devenu notre chaîne secondaire. Ça veut dire que Nyan Seconde, vous êtes ici, où nous avons plus de 50 000 abonnés, c'est notre chaîne principale. Et Nyan Seconde 3, c'est notre chaîne secondaire. Là, on fera des lives. Vous pouvez venir me poser vos questions. Donc, si vous avez beaucoup de questions à me poser, préparez vos questions, mais avant, allez vous abonner sur Nyan Seconde 3. Et dès que je serai prêt à faire un live, je vais vous informer d'abord. Donc, soyez les premiers à être au courant. Soyez prêts et soyez vigilants dans la vie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Waouh! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir Union Seconde, dans la description, c'est tout mes liens où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Union Seconde 3. Avec Union Seconde, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Union Seconde 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.